Nous sommes au deuxième étage du forum des marchés d'Adjamé. Ici où exercent plusieurs commerçants et hommes de métier, plus de 2000 boxes sont encore fermées. Une chaleur extrême se dégage du site et l'insalubrité gagne du terrain. Dans cette situation où exercent au quotidien les commerçants du deuxième étage, la mairie compte construire 640 nouveaux boxes dans les boulevards. Pour les commerçants, le rétrécissement extrême de ces espaces du marché par la construction de ces nouveaux boxes peut entraîner des risques sur leur état de santé, leur sécurité et leur activité. C'est ici que nous appelons les boulevards. C'est ici que M. le maire veut construire des boxes. Notre vie est très en danger. Il fait très très chaud dans le marché. C'est parce qu'ils ont cassé ces boxes-là que nous sommes venus au marché, au deuxième étage. Sinon ici, c'était un coin de prostitution, un coin de fumoir. Donc pour qu'on puisse monter pour animater le coin, monsieur, l'ancien maire a dégagé ces boxes-là. Aujourd'hui, nous sommes montés. Nous avons mis de l'argent dedans. Nous avons investi dedans. Aujourd'hui, ils veulent reconstruire ces boxes-là pour détruire le marché. On a essayé de parler avec monsieur le maire. On a essayé de voir notre maire. Quand on arrive à la mairie, on dit que monsieur le maire a dit que c'est impossible. Et il a dit que c'est possible. La force reste toujours à la loi. C'est tout ce que nous avons entendu depuis que cette histoire a commencé. Nous n'avons rien entendu à part ça. Peu importe ce qui va nous arriver, ce n'est pas leur problème. Voici le parking du marché, c'est ce qui était réservé pour en faire des parkings. Quand on parle de la forme initiale du marché, cet endroit-là était réservé pour faire le parking. Et il y avait même les cocotiers, mais ça n'a jamais vu le jour. Ce sont ces voies-là que nous, nos véhicules de ravitaillement passent pour venir livrer, pour venir nous ravitailler. Ils ont pris le parking en otage. Désormais, nos véhicules de ravitaillement ne peuvent plus entrer. Et quand il pleut, l'eau stagne là, ça ne passe pas. Le maire d'Adjamé est venu ici. Nous sommes dans une agence de voie. On avait des babelés ici qui permettent aux clients de bien s'installer. Le maire est venu ici, Farik Soumaoro. Il a demandé à ce qu'on enlève nos babelés pour que l'air puisse rentrer au marché ici parce que c'est le toit qui est juste en haut. Le vent n'arrive pas à rentrer pour pouvoir mettre les gens à l'aise. On enlevait les babelés. Maintenant, il demande à faire des magasins ici. Il a demandé à ce qu'on enlève les babelés. On enlevait les babelés. Et maintenant, il veut faire des magasins ici. Entre les babelés et les magasins, qu'est-ce qui envoie la chaleur? Entre nous, regardez l'espace qui reste. Est-ce qu'on peut construire des magasins ici? On peut construire des magasins ici. Les gens vont circuler comment? Les gens vont circuler comment? Ça ne nous arrange pas. Et regardez le toit, il fait chaud. Il fait chaud, franchement, il essaie de nous aider. Venez nous en aide, ça ne va pas. Il nous frappe. Quand on va à la mairie, il nous frappe, il nous chasse. Il ne veut rien comprendre, il ne veut rien entendre. En ce moment, il y a quoi? Nous sommes des êtres humains, même si on dit, le pouvoir, ce n'est pas bras de fer. Il faut comprendre les gens. Tu es venu pour qu'on te vote, on t'a voté. Pour que tu puisses nous aider. On dit, tu viens nous détruire, il y a quoi? Vous voyez, il y a plus de magasins fermés. Vous voyez ces couloirs-là, la fluidité n'est même pas facile. Tellement c'est serré, serré, c'est cintré. Et ceux qui vont faire seront plus serrés que ceux-là, plus cintrés. Regardez un peu le magasin, les 2 mètres. Ça, ça fait 2 mètres, 2 boxes comme ça. Il faut exposer la marchandise, exposer les mannequins. Ça ne peut pas, il n'y a pas de passage. C'est nous-mêmes les commerçants qui entretenons notre marché. Non seulement ils ont augmenté les taxes, nous acquittons de nos taxes comme il se doit, mais même le service d'assainissement, tout a été suspendu. Devenu une toilette pour les bandits, les délinquants qui viennent. Si ces espaces-là sont occupés, est-ce qu'ici, on peut en faire une toilette? Et avec tout cela, on parle de la reconstruction. Vous voyez comment les poteaux sont fissurés. Pendant qu'ils étaient en train de casser pour faire les voies d'aération, ces poteaux-là, ça a été touché. Tout est fissuré. Tous ces poteaux-là, quand on les appelle, ils viennent, ils mettent du ciment, ils s'en vont. Ils mettent du ciment, ils s'en vont. Vous voyez comment notre vie est en danger. Quelques temps après, ces ciments-là tombent. On est tous là, les Ivoiriens, les Sénégalais, tout le monde. On travaille ici. Mais on voit que ce que vous voulez faire ici, là, si vous faites ça ici, là, nous, on ne peut même pas respirer. Parce qu'il n'y a pas la route ici, là, c'est trop petit. Or que nous, on est là, on se débrouille. Chaque semaine, on paye 1 800. N'est-ce pas? Mais vous voyez ici, même vous voyez que ici là, c'est trop petit. Donc si vous voulez faire ça, c'est comme pour vous venir nous dire qu'on n'a qu'à se quitter ici. Parce que si vous faites ça, on ne peut même pas respirer ici. On ne peut rien faire ici. Il n'y a même pas de passage, il n'y a même pas rien. Nous, on est là même. On est obligé de mettre le ventilateur en vol rien que pour travailler. Parce qu'ici là, il fait très chaud. On ne peut même pas respirer ici avec la manière que vous voulez qu'on vive avec ça. Mais les magasins ici. Le marché est déjà construit. Il suppose que non, le maire veut venir reconstruire encore le marché. Déjà, on est déjà là, on a du mal à respirer.
Il n'y a pas d'air, les magasins même, on paie tous les taxes normalement. Supposons s'il y a un incendie, on fait comment? Il faut des espaces pour pouvoir se réunir. Comment faire pour sortir du marché? On ne souhaite pas, mais il faut prévoir tout. Et puis, ils nous donnent 2 semaines pour rester à la maison. Quoi pour les travaux? Nous, on ne voit pas quels travaux vont venir. 2 semaines pour rester à la maison, ils vont travailler. Mais supposons, nous, on reste les 2 semaines à la maison. Qui s'occupe de notre famille? Nous, on a les familles à prendre en charge. Si lui veut vraiment que nous, on laisse 2 semaines à la maison, il faut qu'il nous prenne un nuit de dommages. Nous, on n'a plus d'autres coins où travailler. C'est sinon, on se défend. C'est ce qu'on m'a dit, construire ici, ça serait un calvaire pour nous. Nous sommes en haut ici, on se débrouille ici. Bon, toi-même, il faut regarder, il n'y a pas d'espace. Ouais. C'est les patrons, s'ils veulent construire, ils peuvent faire, parce que c'est leur travail. Nous, on ne peut pas les empêcher de faire. Quant à moi, je ne peux pas les empêcher de faire, parce que c'est leur travail. Mais si on nous laisse aussi ici, là, ça va, c'est bon. Parce que si on fait chose, ils disent qu'ils vont venir construire ici, là. Ah, la chaleur, là, ça va nous tuer ici, là. Ça va nous tuer parce qu'on est trop coincé. Comme ça, là même, on est déjà coincé. Donc, on leur demande pardon. S'ils peuvent nous laisser, on va se débrouiller, c'est bon. Il y a beaucoup de places, ils n'ont qu'à aller construire là-bas. Ici, là, s'ils peuvent nous laisser là, c'est bon. Ce sont ces boulevards-là seulement qui sont animés. Là, c'est le premier boulevard de quartier 7. Sinon, les autres, il n'y a rien. Entre nous-mêmes, les commerçants, nous nous sommes organisés en fait de chaque quartier des galeries. Ici, c'est la galerie des couturiers. Voici les tracés que vous voyez. Et les magasins qui sont déjà numérotés, qui sont là. Ça, c'est 21A, 21B. Là, ça fait 2 box. 22A, 22B, ça fait 2 box. Là, si c'est reconstruit, vous voyez la chaleur, le toit, ça va trop coincer. Et les gens ne pourront plus vaquer à leurs occupations. Le marché vraiment sera mort. On sera obligé de descendre. Indexé et interpellé par les commerçants du 2e étage du forum des marchés, la mairie d'Adjamé, à travers le conseiller technique du maire, Soumaoro Farikou, réagit. Il s'agit tout simplement d'une action qui est portée au niveau du forum des marchés. Mais pour bien apprécier la valeur de cette action, permettez-moi de vous rappeler que le maire Soumaoro Farikou a hérité d'une commune qui était dans un état que je n'ai pas besoin de vous décrire. Il a décidé donc de redorer l'image de la commune d'Adjamé au niveau du boulevard Nangia-Brogois, qui était un casse-tête chinois pendant de longues années pour l'État de Côte d'Ivoire et la commune. Malgré les actions à l'époque, Soumaoro Farikou aujourd'hui l'a fait. Il convient d'apprécier. Mieux que le boulevard Nangia-Brogois, pour ceux qui connaissent le forum des marchés, ce marché était l'objet d'un délaissement total. Pendant plus de 15 à 20 ans, le marché n'avait jamais eu une vraie visite technique, n'avait jamais été nettoyé. Toutes les installations étaient en train de partir en lambeaux. Et surtout le côté hygiénique, tout était bouché. Soumaoro Farikou a pris la décision sur lui-même, non seulement d'ouvrir les allées, de curer les caniveaux, de réduire les appâtams, ouvrir toutes les allées, et même repeindre le forum des marchés. Aujourd'hui, il en a fait un environnement réellement qui permet réellement à Adjamé d'avoir un marché de fière allure. Mais le retour, c'est quoi? Avec tous les commerçants que vous connaissez très bien qui occupaient le boulevard et les rues qui étaient totalement bouchées, qu'il a interdit aujourd'hui, il se retrouve avec des milliers de commerçants à Adjamé qui n'ont pas de place. Je ne voudrais pas m'apesantir sur son titre de président de la Fédération nationale des commerçants. C'est à ce titre que la structure dite FENACSI s'est adressée au maire. Vous faites du bon boulot, c'est ce que nous recherchons. Ça a été le thème de notre campagne. Mais de grâce, monsieur le maire, il faut que tu nous aides à trouver de la place pour les nombreux opérateurs économiques qui frappent à notre porte chaque jour et nous ne savons pas à quel sein nous vouer. Le maire étant un ancien d'Adjamé, depuis la mise en place et réellement de la gestion de la commune depuis 1996, Soumaoro Farikou a toujours appartenu à l'équipe municipale. Il connaît l'évolution d'Adjamé. Et il s'est trouvé que le forum des marchés, qui a été construit sous forme de bail amphithéophique, à l'époque, compte tenu du nombre de commerçants qui étaient sur le boulevard qu'on n'arrivait pas à dégager, personne n'osait s'hasarder au 2e étage.
Le deuxième étage, en hauteur, ce n'est pas dans l'habitude de nos parents. Donc, l'espace était totalement mort. Personne n'y allait. Le maire, il souffre cela. Dans le but, quand même, de permettre de mettre ce deuxième étage en activité, a pris une belle initiative. Cet espace-là avait la même capacité que le deuxième. Environ 2500 à 3000 places. Je parle du plan initial du Forum des marchés, quand ça a été bâti et livré à la commune d'Adjamé. Il a rasé toutes les installations pour en faire une plateforme libre et demander à un certain nombre de commerçants d'y aller. Il y avait la restauration. Il avait même permis l'implantation d'une mosquée. Mais au fait, toutes ces mesures-là, c'était dans le but d'assainir cet espace. Et c'était devenu en même temps un coin où les gens partaient déféquer n'importe comment. Et les soirs, c'était presque des chambres closes de passe, parce que personne ne s'y hasardait. Il fallait donc trouver une occupation. Et quand le maire l'a fait, et qu'il y a une mosquée même qui a pu s'implanter, il y a eu des premiers commerçants qui sont montés, le coin a commencé à être animé, petit à petit, jusqu'à ce que le maire Soumaoro Farik arrive. Adjamé est une commune enclavée. Il n'y a pas d'espace. Nous sommes en train de chercher. Même les dalles des privés, qui sont assez solides, avec l'accord de l'ONPC et du ministère de la Construction, sont transformées soit en atelier, soit en boutique, soit en tout cas en espace où les gens vont y exercer. Parce qu'Adjamé aujourd'hui est devenu le carrefour par excellence du district autonome d'Abidjan, je dirais même de l'ensemble de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Et on ne peut pas parler de gare, on ne peut pas parler de carrefour sans un lieu d'échange, de communication et de partage. Ce qui fait que la pauvre commune qui ne compte à peine que 400 000 habitants, moins, reçoit, voire 2 millions, 2 500 000 personnes par jour. Face à cela, le maire a décidé de remettre le deuxième étage dans sa capacité initiale. À l'époque, il s'était même opposé parce qu'au fait, les rues encore étaient en fonction. Mais après avoir débarrassé totalement les rues, un marché qui a été fait pour accueillir en principe 12 000 places avec 400 magasins, il se trouve qu'il y a encore des grandes allées au niveau du deuxième étage. Des grandes voies, des grandes allées. Mais bien sûr, squatté, exploité par les quelques commerçants qui s'y trouvent, qui ont pris une certaine habitude de commodité, d'aisance, d'avoir de l'espace pour exposer leurs marchandises, qui sont dans un environnement beaucoup plus free que le deuxième. Le maire a décidé donc de mettre fin à ces couloirs-là, qui ne sont pas de leur propriété, mais qui étaient des formes de commodité, et les occuper. On ne peut pas le faire ainsi. La Fenaxi ayant fait la demande, le responsable de Fenaxi, dans sa structure, a informé la plupart des délégués pour leur dire ce que le maire voudrait entreprendre au deuxième étage. Même moi, j'ai joint certaines personnes en sa présence pour leur expliquer le bien fondé d'accompagner le maire à mieux assister les commerçants. C'est à ce titre, effectivement, que le 21 janvier, le maire a fait un premier communiqué pour informer les différents opérateurs économiques du deuxième qu'il allait entreprendre ses travaux. Logiquement, les travaux ne devraient pas empêcher les commerçants de continuer de vaquer à leur occupation. D'autant plus qu'on ne déplace personne. On ne touche à l'étal officiel de personne. On ne détruit aucun étalage. Ils sont dans leur boutiquette, dans leur petit magasin, dans leur box. Et c'est les grandes allées, il y en a 8 qui sont assez larges, qui sont des allées où on a enlevé les installations à l'époque pour leur permettre d'être dans une commodité qu'on veut remettre en place. Après l'information, quand nous avons voulu entreprendre les travaux, bien sûr, il y a eu de la réticence. Personnellement, le conseiller technique que je suis à la demande du maire, ainsi que le secrétaire général de Fenaxi et certains membres, nous nous sommes retrouvés au commissariat du 3e pour leur expliquer le bien fondé de l'action du maire et surtout leur demander de permettre que le maire puisse faire son travail afin que réellement il puisse offrir environ 640 à 650 places à d'autres opérateurs économiques
qui devraient venir les occuper. Nous étions même d'accord, pas à 100%, au moins à 80%. Mais je voudrais revenir sur un point. Il est du rôle du premier magistrat quand même d'informer ses administrés, de partager l'information. Mais beaucoup ont cru que dans ce partage d'informations, c'était les consulter, c'était leur soumettre son droit d'autorité. Il y en a qui se sont érigés, non, nous ne voulons pas, ça ne peut pas se faire tant que nous ne sommes pas d'accord. Ça, ça a été le premier point d'échauffement. Le maire a dit, bas la terre, je le fais. Il a écrit, il a signé les notes et il a demandé qu'on le laisse faire. On a même tracé les 640 places. Pendant que le marché fonctionnait, on a matérialisé cela sur le sol, au forum des marchés, sans que cela ne perturbe, un temps peu soit-il, l'activité des uns et des autres. Le nombre de délégués qui n'approuvaient pas du tout cela, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été associés pleinement, un soir, je crois que c'est le cinquième jour, ils ont payé du Julien, ils ont effacé tout ce qui avait été matérialisé, et se sont déportés au commissariat, et ils ont fait un refus catégorique. Le maire s'est dit, mais au fait, où sommes-nous? On m'empêche de travailler dans ma commune. On m'empêche d'offrir d'autres places à d'autres opérateurs économiques. Sous prétexte que quoi? Que je n'ai pas leur accord. Dites-leur que je suis l'autorité, c'est mon mandat. Je ne leur ravis pas, je ne leur enlève pas leur place. Je veux seulement augmenter dans la capacité initiale du forum. On est demeuré là dans cette expectative et il a donné l'ordre d'aller entamer les travaux malgré cette réticence. Et c'est là où justement tout s'est gâté. Les agents de la mairie ont été molestés. Les services techniques ont été victimes de certaines formes de violence. Le nombre de briques et tout le matériel qui avait été convoyé au forum, qui se trouvait au bas du forum, tout a été saccagé, tout est cassé. Face à ça, vous voulez que le maire fasse quoi? Qu'il se rabaisse? Qu'il négocie? Non. Nous avons d'abord déposé une plainte directement au troisième. Et nous avons dit qu'il faut que la police fasse son travail. Le souhait du maire n'était pas forcément la violence. Quand on t'invite à la violence en tant que premier magistrat, c'est de conduire ses administrés vers des lendemains meilleurs. C'est de les envoyer à la raison. C'est le même maire à l'époque, comme les conditions n'étaient pas réunies, a permis que vous continuiez d'œuvrer dans cette forme d'aisance. Aujourd'hui, on ne vient rien vous enlever. On vous demande tout simplement de rejoindre gentiment vos places que vous avez. Aucune place n'est retirée. Et permettre la réalisation de ces 640 places qui n'impactent en rien sur leur espace. D'autres prétextes sont nés. Il fait trop chaud. C'est des magasins. C'est des boutiques. Je voudrais vous rassurer. Ce ne sont pas des magasins. C'est des simples petites installations d'étal à peine de 1,20 m de haut qui ne vont pas en hauteur. J'ai reçu un groupe qui me dit non, le deuxième il est mort, il n'y a pas d'activité. Les gens en font des dépôts. Mais qui en fait des dépôts? Vous avez des camarades qui ont plus de 1000 boxes au deuxième, qui sont fermés du matin jusqu'au soir, qui contiennent de la marchandise, qu'ils viennent chercher à petit lot pour aller vendre. Vous ne vous élevez pas contre eux. Vous ne vous dirigez pas contre eux. Et vous prenez prétexte que le maire veut venir encore davantage vous boucher. Je dis non. C'est une preuve de mauvaise foi manifeste. Le maire avait déjà pris une décision demandant à tous ceux qui avaient dépassé la hauteur des boxes, qui peut être source d'obstruction de l'aération, de les réduire à la hauteur normale. On devrait pouvoir appliquer cette loi. Mais nous ne voulons rien faire dans la violence. Il faut qu'ils comprennent que c'est leur espace vital et que les décisions que la mairie est en train de prendre, c'est pour leur permettre de travailler dans un lieu beaucoup plus assaini. Est-ce que vous trouvez normal que dans cet espace marchand, qu'il y ait plus de 2000 boxes fermées qui sont des dépôts? Comment est-ce que ce marché peut être vital? Comment est-ce qu'il peut vivre? Comment il peut être animé? Et vous, commerçants, complices de ces personnes, vous ne dites rien. Et aujourd'hui que le maire veut rendre encore la chose beaucoup plus vivante, vous vous opposez. Le maire donc a dit, je cesse de recevoir qui que ce soit. S'il me faut prendre des mesures drastiques, je vais les prendre.
mais il faut que ce soit réalisé. Et mieux que ça, tous ceux qui ont dépassé la hauteur, je donne mandat aux services techniques de les visiter et même de réduire. Nous n'en sommes pas à cette application, mais je profite en même temps de vous expliquer les actions futures. Et la troisième phase, tous ceux qui ont une place au forum des marchés, qu'ils ont transformé en dépôt, nous allons prendre des mesures, 2 mois, 3 mois tout au plus. Toute personne qui en fera un dépôt, le maire se réserve le droit réellement de lui retirer l'étal et de le remettre à un commerçant qui peut être en activité pour que le forum soit un marché animé. Voici des mesures qui sont en train d'être suivies. Je vois mal le maire Soumaoro Farik se servir de ça pour réellement parvenir à ses fins. Je le vois très mal. Pour preuve, voilà Fenaxi, nous recherchons encore des immeubles qui peuvent tenir avec l'accord de l'ONPC. Il ne s'agit pas d'aller créer d'autres problèmes. Vous allez mettre des commerçants sur un immeuble, 3 mois après, ça va s'effondrer. Il y a des mesures sécuritaires. Nous appartenons au monde, nous voyons tout ce qui se passe ailleurs. Nous sommes en train de faire des recherches pour accueillir le maximum de personnes. Mieux que ça, personnellement, j'ai été à des réunions. Il faut que l'État change de mentalité, qu'il y ait des grands centres de commerce à Boboga, à Yopougon, à Niama. C'est des grandes cités dortoirs, mais tout le monde vient où? À Agamé. Je crois que l'activité marchande, les centres de commerce, il faut revoir. Même s'il faut déclasser certaines gares. Parce qu'Agamé est le terminus de tout. Sotera, c'est Agamé. Woro, c'est Agamé. Bara, c'est Agamé. Ville de l'intérieur, c'est Agamé. Mais Agamé est devenu un trop grand carrefour pour ses capacités. Leur cri est entendu. Ça fait partie de notre préoccupation. Mais allons lentement et sûrement. Et ensemble, avec eux, sans s'imposer, nous allons trouver les solutions pour qu'ils fassent bien vivre au niveau du forum. Réunis en association, président et délégué appellent au calme, au dialogue et présentent leurs excuses au premier magistrat de la commune d'Adjamé pour leur agissement déplacé. La restauration du forum fait partie d'un ensemble de sites répertoriés pour accueillir près de 1051 commerçants. Oui, il fait chaud au deuxième étage, mais cela n'est pas dû à la reconfiguration, mais plutôt à ces commerçants qui ont transformé leur box en hauteur, ce qui naturellement empêche l'air de circuler en hauteur. Pour notre part, la financière section d'Adjamé et l'immense majorité des délégués du forum des marchés d'Adjamé réitérons notre soutien indéfectible aux actions du maire, tout en plaidant pour que la période de 2 semaines de fermeture du deuxième étage soit revue afin de permettre à la majorité responsable des commerçants du deuxième de vaquer tranquillement à leurs activités. Également, nous plaidons pour l'ouverture des 4 galeries obstruées par des bétons. Le problème se situe au deuxième, sur le boulevard que le monsieur Sylla a cassé. Le maire Farouk est venu, dit qu'il veut reconstruire le boulevard. Donc, le boulevard, c'est pour nous, les commerçants. C'est pour les maires, c'est sa commune. Donc, nous, on ne peut pas imposer de ne pas construire. Donc, c'est ça, les commerçants. Et aussi, ils ont occupé le boulevard. Ils ont pris tout le boulevard avec les mannequins. Donc, c'est leur intérêt. Bon, quand le maire est venu, il dit vraiment, il a décrépi les gens sur le boulevard. Donc, il veut réinstaller les gens dans le deuxième. Donc, quand les commerçants imposent, ils ne veulent pas que le maire n'a qu'à construire. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de problèmes au forum. Et ces problèmes, généralement, sont entretenus par nous-mêmes responsables de commerçants. Il faut qu'on d'abord, on puisse admettre cela pour pouvoir discuter franchement avec l'autorité. Et aujourd'hui, le premier et le deuxième étage doivent se dire qu'ils ne peuvent mener aucun mouvement sans déranger nous qui sommes au rez-de-chaussée. Donc s'il y a un problème, je pense que nous devons d'abord nous asseoir, ensemble analyser, faire les démarches nécessaires auprès de l'autorité municipale pour trouver des solutions pacifiques. À supposer même qu'ils aient raison, je condamne la manière. Les destructions qui ont eu lieu, ce n'est pas responsable. On pose des problèmes, on les traite et nous avons plusieurs niveaux de discussion. Si nous ne réussissons pas à trouver une solution avec l'autorité municipale, il y a un ministère de tutelle, mais nous demandons pardon au maire. Ce n'est pas tout le deuxième étage qui est coupable. Et fermer un marché, même 24 heures, c'est difficile. Vu le seuil de pauvreté sur nos marchés, vu les difficultés, les engagements que nous avons, nous demandons pardon. C'est vrai qu'il y a eu la déclaration de l'ouverture, mais est-ce que l'ouverture va être immédiate?
nous demandons pardon, quant à prendre toutes les dispositions à notre niveau pour que les travaux se déroulent comme il peut et que nos frères et parents continuent de gagner leur vie, vraiment. Pardon à monsieur le maire, à ceux qui décident pour que le plus tôt possible le forum puisse ouvrir, fermer une partie du forum, vraiment n'est pas rendre service à l'ensemble du forum. On demande pardon au maire. Ces commerçants et hommes de métier du deuxième étage du forum des marchés d'Adjamé souhaitent de la part de leur maire qu'ils soient favorables à toutes leurs doléances sur leurs conditions de travail. Dans le cas échéant, ils souhaitent être pris en charge pendant les 15 jours que dureront les travaux des 640 nouveaux box au deuxième étage.